Corps est une association nationale qui a été fondée il y a plusieurs années maintenant pour agir pour une plus d'éthique en politique. Et donc, elle tisse un réseau local. Donc, nous avons à peu près dans tous les départements, enfin, c'est le souhait, une équipe qui regarde les problèmes locaux, mais qui est aussi le relais des actions nationales. On s'est manifesté à plusieurs reprises en interpellant des députés ou des sénateurs. Au début d'année 2017, on a interpellé des sénateurs. Là, on interpelle des candidats aux élections, mais aussi on écoute des citoyens qui viennent nous poser des questions par rapport à des pratiques locales qui leur paraissent à la limite de la corruption. Donc on a aussi un rôle de conseil, d'analyse, de peut-être de problèmes susceptibles de révéler des choses désagréables. Il paraissait important de questionner les candidats parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'une affaire chasse l'autre, que les Français se demandent vraiment s'ils sont dans un pays mafieux, pré-mafieux ou déjà totalement corrompu. Donc ça nous paraissait important de relayer la charte d'Anticorps, hein, qui a donc proposé des modifications substantielles de l'organisation de la vie politique en France pour éviter la corruption. On est absolument persuadé que s'il n'y a pas des garde-fous très précis et très fermes, eh bien le pouvoir est corrupteur. Et que donc on ne peut pas se fier seulement à la vertu individuelle des individus. D'autant qu'il peut y avoir des individus non vertueux qui visent des postes de pouvoir. Alors, il a le mérite d'être déjà posé sur la table, donc on a commencé à le regarder. Pour nous, il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens, hein. La suppression de la Cour de justice, la suppression du passage automatique des anciens présidents au Conseil constitutionnel, la limitation des mandats, du cumul des mandats. Mais pour nous, c'est un minimum. C'est-à-dire que nous espérons que le débat qui va s'en suivre, à la fois au Parlement, mais j'espère avec la population, permettra d'aller beaucoup plus loin que ce qui est pour l'instant sur la table. Car il y a aujourd'hui des manques. Et rien ne serait pire que de donner l'impression qu'on a fait la loi de moralisation et que maintenant, c'est réglé, il n'y a plus de problème.